Good morgen, allez, Iden et Sus, aujourd'hui le Nishmat Richaron, Ben Fortune Mazal, Claude Israq, Ben Fortune Mazal, Lili Rachel, Bat Asher et Hana, Bat Sultana. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider notre prochaine étude de Mishnah, quand il est à la minute éternelle, nous étions à Sir Kalim, Perik Vav, Mishnah Vav. Haomer are alai etzim, lo ifrot mishnei gizrin, levona, lo ifrot mikometz zahav, lo ifrot midinar zahav. Shisha l'indava, nedava mayo sinba, lokrinba olot, abasar l'ashem, vehaurot la kohanim, ze midrash darash yoyada kohen gadol, asham hu, ashom, asham l'ashem. Zaklal, kol shuba mishum chet ou mishum ashmar, ilakach bo olot, abasar l'ashem, vehaurot la kohanim, imtsushnek tuvim kayamim, asham l'ashem, vehasham la kohanim. Veomer kesef Hasham v'chesef chataot lo yuva bet Hashem la kohanim iyu. On continue à faire le détail des différentes urnes qu'il y avait au Beth Amikdash dans lesquelles on mettait l'argent. Et on avait dit qu'il y avait 13 chauffarot où il y avait écrit la destination de chaque don, qu'est-ce qu'on en faisait précisément. Et puis, on avait vu, donc il y avait pour les nouveaux shkalim, les anciens shkalim, il y avait celui qui voulait faire une avona. Alors la Mishnah, maintenant, elle va nous apporter des précisions. Dans une première partie, une précision de quantité, et la Mishnah me dit comme ça. À Omer, celui qui dit, Are alai etzim, celui qui dit qu'il y avait une caisse qui était spécialement pour les etzim, pour mettre du bois pour le Beth Amikdash. Quelqu'un qui a dit, Are alai etzim, celui qui a fait un vœu d'apporter des bois au Beth Amikdash. Quelle quantité de bois doit-il apporter? Lui frotte Mishne Gizrin. Il n'apportera pas moins que deux bûches. Entre parenthèses, la première avoda qu'on faisait, une des premières avodas qu'on faisait au Beth Amikdash, depuis le matin à la fin de la nuit, après la tourmata des chênes, alors on commençait à redisposer les bois et on apportait ensuite deux Gizritim, comme on dit, abayé, avam, seder, seder, amaracha, mishma, digmara. Abayé, il donnait l'ordre de la maracha, du système de toutes les mitzvot à faire le matin. Il y avait maracha gdola, le grand bûcher, kodem était maracha shen ktoret, ça devançait la deuxième maracha de la ktoret, maracha shenia shel ktoret, kodem était les shnei geziretzim. La deuxième maracha, elle était avant les deux geziretzim. Il y avait deux bûches, c'était la première avoda à porter le matin. Du coup, puisque quelqu'un qui dit qu'il veut faire un don d'apporter du bois, alors il devra apporter, il n'a pas précisé quelle quantité, il devra apporter deux bûches. D'accord? Parce que l'offrande classique des deux bûches, c'est celle du matin où on apporte deux bûches. Idem avec, on va apporter une précision après, mais je fais d'abord les trois premiers cas, comme ça après on va donner une précision qui s'apporte sur tous. Levona, celui qui veut faire un don de la Levona, c'est une certaine encens. C'est pas l'encens de l'actoret, c'est encore une autre encens. Alors, l'oifrot mikometz, il apportera au minimum un kometz. D'accord? Un kometz, donc c'est une pincée de doigts. Zahav, c'est la fin dont d'apporter de l'or, il n'a pas précisé quelle quantité d'or. L'oifrot midinar zahar, il ne pourra pas apporter moins qu'un dinar zahav. Trois cas de la Mishnah, en fait, qui me fixent un certain seuil. Si tu as fait un don et que tu n'as pas précisé la quantité, en réalité, le porteur il rapporte que si tu précises que tu vas apporter une quantité plus petite, tu peux. Tu vas apporter un bout de charbon au Beth Amikdash, tu peux. Tu vas apporter un peu de levona, même une petite pincée, tu pourras. Idem pour l'or. Même un petit fil d'or, tu peux aussi l'apporter. Mais si tu as dit que tu vas faire un don, tu n'as pas précisé la quantité, alors là, on va attraper selon la quantité inclus quand l'unité la plus petite qu'on connaît. En fait, l'unité la plus courante. D'accord? Shisha l'indava. Alors là, on se rapporte sur la Mishnah précédente où on avait vu qu'il y avait 6 urnes qui étaient pour les nedavot. Il y a un grand problème sur cette phrase. Il y en a qui discutent, qui veulent l'effacer complètement parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Comme ça, il rapporte le même Shlomo. Il y a. Concrètement, on a déjà précisé là-haut qu'il y avait 6 urnes, que c'était toutes pour des nedavot. Il y avait différentes raisons pour qu'on apportait des nedavot. Comment on se retrouve avec des nedavot? Sur ça, on va mettre le focus. Je pense qu'en fait, il faut plus le lire en tant que titre. C'est fréquent dans le Mishnayot. On t'apporte une Mishnah avec plein de généralités. Maintenant, on reprend chaque généralité, on te la met en titre et puis on commence à la détailler.
Et sur ça, il y a marqué maintenant, Shisha Lindava, comme tu me dis qu'il y avait 6 urnes en haut, pour les dons, pour les vœux de faire des Nedavot, des dons. Nedava Mai ou Sinba, qu'est-ce qu'on faisait avec l'urne des Nedava? Entre parenthèses, ça apporte ici dans le Pirush Rivevan, c'est selon Yerushalmi, il y avait 6 urnes pour que, il y avait, vous savez que chaque semaine, les Kohanim se changeaient. Il y avait des rondes de Kohanim, 24 groupes de Kohanim qui venaient qui se relayaient. Pendant la semaine, chaque famille de Kohen, elle était séparée en 6. 6 Baté Av. En fait, il y avait chaque Bet-Av, il s'occupait de prendre une urne pour faire les Korbanot. Les Kohanim avaient un certain gain important des Korbanot, comme ça on va découvrir tout de suite. Donc, Nedava Me'ayo Sinba, qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent des Nedavot? La Mishnah me dit, Lokrinba Olot, on achetait des Korban Ola. Que là, qu'est-ce que ça fait d'acheter des Ola? On se retrouve avec eux, Abassar, l'Hachem, la viande, la chair, elle monte entièrement à Hachem pour le Misbeach. Ve'aorot, la Kohanim, tandis que les peaux de la Ola sont pour les Kohanim. D'accord? C'est-à-dire, la Mishnah, en fait, elle me dit que les Nedava, quand on fait de l'argent, quand celui qui mettait de l'argent dans les caisses des Nedavot, bien que c'était des restes de Khatat et de Hashamot, comme ce que la Mishnah va nous le repréciser, mais on l'avait déjà dit depuis la Mishnah précédente, eh bien, on achetait avec ça des Olot, et la Ola, on a gagné un certain partage assez franc entre ce qui revient à Hachem et ce qui revient au Kohanim. Toute la viande, elle monte sur les Mizbeach pour Hachem, tandis que les peaux, elles sont entièrement gardées pour les Kohanim, et ça leur fait un certain gain. Et ça, on déduit ça de Psukim. Ze midrash darash yoyada kohen gadol. Tel est le midrash, telle est l'interprétation qu'il a proposée Yoyada, qui était le Kohen Gadol, à l'époque de Shlomo HaMelech, je crois, que, oui, à l'époque de Shlomo HaMelech, Hasham hu, Hashom, Hasham l'Hashem. Il y a un passage dans la Torah qui nous dit, ce que le Korban que je t'ai précisé, c'est un Hasham. Donc si c'est un Hasham entre parenthèses, tu fais monter sur le Mizbeach que les graisses, certaines graisses, les jetés à Klayot, et le Yoter Tekaved, la Mkhassa à la Kerev, tu fais monter certaines graisses sur le Mizbeach, tandis que tout le reste, tout le reste de la viande, il est consommé par les Kohanim. Donc quand la Torah me dit Hasham Hu, c'est un Hasham, donc le Korban que je t'ai précisé, c'est un Hasham. Donc la viande mangée pour le Kohanim. Et la phrase, elle continue en disant Hashom, Hasham, l'Hashem. C'est voilà donc un Hasham qui a été apporté pour Hashem. Donc comme si tu es en train de me dire que toute la viande va monter pour Hashem. Une certaine contradiction. Une grande contradiction si on étudie comme ça le Pasuk. D'un côté, tu me dis que le Korban que tu m'as précisé, qui est un Korban Hasham, c'est un Hasham. Donc les Kohanim vont manger la viande. Après, tu me dis attention, c'est un Hasham, l'Hashem. Donc Hashem va manger toute la viande qui est de sa volonté sur le Mizbeach. Alors quoi? Comment on résout le problème? Zéaklal, telle est la généralité. Kol shuba mshum chet ou mshum ashma. Tout korban qui provient à partir d'un chet, d'une faute, d'un korban khatat, ou à cause d'un korban hasham, parce qu'il n'a pas d'un korban hasham, c'est-à-dire qu'en fait, il a un excédent d'argent. Il avait prélevé plein d'argent pour acheter un khatat, il a prévu 2000 shekels, et il s'en est sorti à 1600 shekels. Il lui reste 400 shekels. Les 400 shekels, tu devras les donner, mais en tant que motard khatat, que ça va devenir, on va le mettre dans la caisse des fameuses olot là. D'accord? C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Kol Sheouba, puisque tu me dis, d'une part tu me dis, le hacham, c'est un hacham, donc la viande mangée par les Kohanim. Attention, c'est un hacham, l'Hachem. Donc c'est Hachem qui va manger tout le... Alors qui va manger sa viande? À part les graisses qui montent sur le misbar de toute façon. C'est la viande consommée par les Kohanim ou la viande consommée par Hachem? Alors, c'est ce qu'il a répondu, Yoyada à Kohen Gadol, qui a dit que tout ce que la Torah est venue t'enseigner ici, que Kol Shehuba, Mishum, Chet ou Mishum Hashma, tout ce que tu vas apporter en guise de faute, en guise de Korban Hasham, il a carbo olot, tu prendras avec l'excédent, en fait, des olot. Et comme ça, on va gagner que Habassar, l'Hashem, la viande, elle va être entièrement consommée en l'honneur d'Hashem, c'est-à-dire brûlée sur le Mizbeach. Ve'aorot la Kohanim. Et les peaux reviendront au Kohanim, donc comme ça on a gagné les deux en même temps. Nim tzouchnek tuvim kayamim. Comme ça on aura réussi à résoudre la contradiction avec deux versets qui se contredisent. Que un, tu me dis Hasham l'Hashem, tu me dis Hasham, il sera entièrement pour Hashem. Et l'autre, tu me dis Ve'Hasham la Kohanim. Et au début, tu me dis Hasham bou, que l'Hasham il revient pour le Kohanim. Et donc quoi? Il faut résoudre comme ça, avec l'excédent d'Hasham, tu vas apporter un Ola, comme ça toute la viande pour Hashem et toute la peau pour le Kohanim. Ve Omer, et tel est ainsi le Passouk nous dit
parce que tu m'as apporté que c'est Yoyada ben Yoyada. Yehoyada Kohen Gadol. D'où on sait que c'était Yoyada Kohen Gadol. Parce qu'il y a un passage dans Melachim qui me dit Kesef Hashem, mais Kesef Chataot, lo yuva bet Hashem la Kohanim yu. Why? Un pasouk, vous avez compris, je traduis. L'argent du Hacham et l'argent du Khatat, vous ne l'apporterez pas au Beth Amikdash. Vous le donnerez au Kohanim. Comment c'est possible? Tu me dis qu'il y a de l'argent du Hacham et tu vas le donner au Kohanim, c'est quoi? Corruption. Alors sur ça, il va falloir. Alors sur ça, Yoyada vient répondre non. Achète des korbanot de manière à ce qu'il va y avoir un profit pour le Kohanim. Et quand tu dis que c'est Hacham et que c'est Khatat, on parle en fait de l'excédent. Une fois qu'il a acheté son khatat, il lui reste de l'argent en plus. Alors, lo yuva bet Hashem, je ne sais pas comment interpréter ça, lo yuva bet Hashem, on ne l'apportera pas à la maison d'Hashem, mais bien sûr qu'il faut l'apporter, puisque la viande a été consommée. Mais la Kohanim, en tout cas, soucie-toi de faire quelque chose qui va avoir un profit pour les Kohanim, en l'occurrence de faire une ola, comme ça ils pourront garder la peau pour eux, le cuir de la peau pour eux. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.